Bonjour, Shabbat Shalom. Oui, j'identifie. Bon, alors, nous sommes sur l'étude du livre des morts égyptiens, ou le livre de ceux qui acquièrent l'éternité. Et qui livre combat contre la mort. Donc, chacune de ces personnes doit en fait réaliser, après son enterrement, ce que, dans le mythe osirien, qui a été réalisé. Alors, ce mythe osirien, ça n'est ni plus ni moins que le mythe messianique, en préfiguration, car on ne va pas oublier que c'est Hanor quand même qui a transmis les bases de ce fameux livre d'Enoch et que, des morts, et que c'est Yosef qui a dit à ses frères Ani Yosef, la formule est reprise dans la Bible sous cette forme-là, de façon à bien nous signifier qu'il y aura un livre qui s'appellera le livre de Ani, dans la tradition égyptienne, et que ce livre-là est un livre que Yosef a encodé, puisqu'il est celui qui a décodé le code que Hanor avait institué en Égypte à l'origine. Dans ce livre, des tas de formules, notamment de pureté, d'intégrité, de justification du défunt devant le tribunal des morts, qui est dirigé par Osiris, qui est le principe, disons, de la mort et de la résurrection sous sa forme Odorus, hein, le même principe va exister chez chacun. À partir du moment où l'étincelle messianique qui est en chacun et ne fait plus partie de ce monde de vivant, que nous connaissons comme homme de vivant, et bien évidemment, il devient un Osiris mort quelque part, et cet Osiris va prendre le nom de la personne qui est défunte et auquel donc on aura copié le livre des morts pour faciliter sa transmigration. C'est, disons, la carte de chemin, de cheminement qui permet l'ascension du mort dans le monde des vivants, et afin qu'il siège dans le monde des saints en haut, que l'on a traduit ici par les noms des dieux égyptiens. Mais on sait qu'en fait, à l'origine, vu que tout était monothéiste, donc c'est du même dieu qu'on parle sous différents noms. C'est une des raisons pour laquelle dans la Torah, du reste, on n'a pas le droit d'insulter les noms des dieux des nations, pour la simple et bonne raison que c'est considéré comme un sacrilège. On n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de leur faire des idoles, certes, ça c'est sûr, et c'est certain même, mais on n'a pas le droit de non plus d'insulter en disant tel ou tel dieu, sauf ceux qui sont appelés Elohim Aherim, les dieux autres, qui représentent des formes, disons, qui ont usurpé certaines fonctions, et qui ont pris des fois des noms, des dieux de la tradition primordiale, qui étaient monothéistes à la base, qui étaient des fonctions divines, qui les ont pris et les ont détournés de leurs racines. Donc, de ce fait, des entités qui sont des entités ténébriques, sont des entités qui ont pris ces formes-là pour induire l'humanité en erreur. Alors, bien évidemment, on va voir ici le premier chapitre, c'est-à-dire celui qui s'appelle la sortie au jour. La sortie au jour, c'est-à-dire lorsque le mort voit cette lumière blanche qu'on va, aujourd'hui, on est capable de comprendre parce que on a des témoignages de partout dans le monde de gens qui voient cette lumière blanche au moment de la mort, surtout lorsqu'ils ont une mort clinique, qu'ils en reviennent. Tous voient cette lumière blanche, or ils n'ont pas tous lu le livre des morts égyptiens, ils ne le savent pas, hein, et ils n'ont pas forcément lu un autre livre qui les a initiés à la chose.
Ça vient spontanément. Alors donc ici, si les Égyptiens ont appelé ainsi, c'est parce que Yosef a compilé ce livre et ce recueil de textes que Hanoch avait laissé en Égypte à la base, comme la base, une base sortant de cette tradition originelle primordiale qui est la source de toutes les traditions. Alors ici, on va voir que dans cette première étape, ben, le mort sort au jour, c'est-à-dire il voit la lumière blanche. Et donc, je ne vais pas citer le texte, vous y référerez, vous chercherez, essayez d'obtenir certains passages en PDF. Je sais qu'il y a une édition en PDF qui est disponible sur Google, vous cherchez, hein. Mais je vous conseille de l'acheter, c'est mieux de l'avoir en papier, en version papier, ou alors vous l'imprimez, faites comme moi. J'ai imprimé cette version parce que c'est une version assez ancienne et très intéressante, par son commentaire. Alors bien sûr, le mort se réveille dans son tombeau, et il se rappelle les formules que l'on dit. Donc, alors, bien évidemment... Parmi ces formules, ce sont les formules. Alors, je ne fais que le premier pérec et j'arrête aujourd'hui, hein, le premier chapitre. Donc, il rappelle certaines fonctions qui sont dans l'âme, hein, qu'au moment de sa mort, il a peut-être oublié, qu'il avait étudié. Donc, c'était une des raisons pour laquelle on écrivait le livre de façon à ce que le mort revenant sur son point où il est enterré, il peut consulter et regarder, parce que la conscience ne meurt pas, hein, il peut consulter ce livre-là qui va l'attirer et qui va automatiquement lui donner la carte de chemin pour monter dans les mondes supérieurs. Alors tout de suite, il y a un rappel à Thoth. Thoth était Hanoch lui-même, donc, et c'est Hanoch lui-même qui est en fait le défenseur et celui qui fait le kécher ou le lien avec le principe osirien, qui est le principe messianique, qui est le Messie lui-même, en fait, le Messie en chacun et le Messie officiel, le vrai Messie, voilà. Mais particulier, disons. Mais il y a chez chaque personne une étincelle messianique. Cette étincelle messianique va se développer, et elle va se développer, et c'est Thoth qui va l'assister. Thoth qui symbolise à la fois le principe yesodique fondamental, donc on pourrait y trouver une relation avec Yosef, qui est le décrypteur de l'enseignement d'Enoch, qui, Enoch a transmis toutes ces choses-là, a été transformé en le prince d'Ephas, donc celui qui dirige tous les empires angéliques, et des 70 royaumes, hein, donc, et plus d'eux même, et donc il est relié à la totalité des nations. Hein. Et donc, il va permettre le développement du principe messianique individuel dans chacun, qui en fait est le véritable principe de développement de l'âme dans le corps qui va permettre de développer cette image divine qui est en nous jusqu'à la faire accéder au royaume réel, au royaume du vrai, au royaume de l'éternité. Alors nous avons ici tout de suite, on met dans la bouche du mort, l'ouverture de la bouche bien évidemment, et on dit les paroles, les amis de la famille, les parents... Et dont dire donc ces formules-là, et le mort lui-même, les entendant, il va pouvoir les répéter, pouvoir se faire son chemin, savoir voir, tracer sa carte de chemin. Alors il dit qu'ainsi, parole dite par N, c'est Annie, et Annie désigne l'âme, tout simplement. Le principe messianique, principal qui est en chacun. Alors il dit... Moi, N, un tel, là, il peut dire son nom, hein, taureau de l'Occident, dit Thoth, roi de l'éternité. Alors, Thoth, en fait, selon Rambam,
et là c'est une autorité quand même, il précise dans le livre du Moré Nebuchim, à l'entrée, c'est-à-dire le guide des égarés, et il dit que Sifra de Totom, c'est en égyptien, c'est le livre de Toth est égal au livre d'Enoch. Quelque part, Enoch, c'est Toth. Enoch est devenu Métatron, le prince des faces. Donc, on pourrait dire le guide et le défenseur du Messie. Messie qui représente le principe solaire de chacun et qui est l'origine du principe solaire existant en chacun, qui a des ennemis et que ces ennemis, on va les symboliser par les nuages, par les le fait que, en se basant sur le mouvement apparent du soleil, quand le soleil se couche, donc on ne le voit plus jusqu'au lendemain, donc il devra à chaque fois refaire cette victoire sur les ténèbres, hein, pour renaître à la lumière le lendemain. Donc cette espèce de cycle de renouvellement, on avait identifié symboliquement, si on pourrait dire, avec une très grande profondeur, chaque détail de la du cycle solaire en mouvement apparent autour de la Terre, hein, comme finalement comme le cycle qui mène à l'éternité et qui se fait perpétuellement, voilà, puisque chaque jour il y a un renouveau et un soleil nouveau naît, donc chaque jour il y a des nouvelles âmes qui naissent comme des soleils nouveaux dans le ciel, voilà. Donc c'est la raison pour laquelle le mouvement apparent s'est laissé interpréter de cette manière, parce qu'on n'était pas apte à l'interpréter autrement, à comprendre les choses sur l'angle de vision apparente et vision réelle, hein, un mouvement apparent et mouvement réel, et en sachant comprendre quelle leçon veut-on nous donner lorsque l'on nous donne de voir le mouvement apparent et de croire au mouvement apparent pendant un temps. Alors ça a une signification très profonde, et c'est en relation avec la pensée primitive de l'être individu, chaque individu, qui est la pensée profonde de l'âme, qui analyse au-delà des phénomènes de l'espace, du temps, et de l'espace permettant de déterminer le temps. Alors bien évidemment, ici on va voir le souvenir de ça, où Toth va dire « Je suis celui qui a lutté contre tes ennemis, j'ai pris ton parti, bon, donc c'est l'aide de l'âme, hein, bien évidemment, j'ai combattu pour toi, je suis un de ces dieux du tribunal. » Donc l'Elohim, on sait que c'est un terme pluriel, donc on n'est pas censé ignorer cela dans la Torah, hein, et on sait que il existe ce qu'on appellera des Elohim Ahérim et des Elohim qui sont de l'ordre de Dieu, qui viennent de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre, donc le Dieu suprême. Et donc, je suis l'un des deux rejetons de Nout, hein, qui est l'océan originel, qui ont massacré les ennemis d'Osiris et qui les ont emprisonnés, et qui ont emprisonné ceux qui se sont rebellés contre lui. Donc, ça veut dire que, à la fin, automatiquement, c'est obligatoire, les forces du bien gagnent sur les forces des ténèbres, et le monde redevient au jour, vous voyez, donc, comme le soleil, chaque matin, se dresse. On va reprendre ce symbolisme-là dans la Bible, au travers du grand jour de l'Éternel. On va reprendre ce symbolisme-là dans la Bible, chaque jour est un jour nouveau, au travers du principe qui appelait le principe du soleil originel, primordial. Donc, ce soleil primordial va symboliser le Messie lui-même, et le Messie vrai, le Messie des mondes. Voilà. Donc, je suis le Bussirite. Alors, fils de Bussirite, qui a été mis au monde à Busiris. Alors, c'est la ville de Hermopolis, hein, qui va représenter l'endroit où, à la fois, Osiris était le principe osirien, était en même temps appelé Osiris Toum,
c'est-à-dire l'Osiris primordial, pas l'Osiris celui-là, dont vous récitez les formules pour faciliter la transition de l'âme, mais l'Osiris primordial, l'Osiris de tous les Osiris, qui est le Osiris, on pourrait dire qu'en hébreu, il y a Or, hein, et dedans, il y a les lettres de Or, donc c'est la lumière, c'est le principe de la lumière. Et une lumière qui se dévoile, Az, d'une manière spontanée, vous voyez, et cette lumière-là, elle a le futur en elle, vous voyez, puisque Az, c'est 8 en valeur numérique. Donc, Osiris, avec un Nicoudrolem, c'est le développement de l'âme à ce niveau, qui ont comme un développement spontané, hein, et Zir, hein, ici on a le développement des choses secrètes, hein, et on a les lettres dehors. Donc la lumière secrète et son développement spontané. Voilà, alors en hébreu. Alors maintenant, à la fin, on va trouver Is, comprenez, en fait c'est Ish, hein, c'est-à-dire Eyesh. De la lumière qui de l'existence, puisque tout ce qui était divin était en l'éternel avant la création du monde et ne s'est devenu séparé qu'à partir du moment où Dieu a créé les individualités. Donc pour chaque groupe d'âmes, il a créé, on pourrait dire, le principe divin qui va gérer tel groupe d'âmes et tel groupe d'âmes et tel groupe d'âmes, d'où toutes les hiérarchies angéliques, dont certaines sont appelées les Ishim à Elohim, c'est-à-dire les hommes divins. On sait que Moshe a été coté comme un homme divin, puisqu'il lui dit, va Moïse auprès de Pharaon, et je ferai toi et ton frère comme des dieux vis-à-vis de Pharaon. Donc, on voit qu'ici, la terminologie plurielle de Elohim est fonctionnelle, elle existe. Voilà. Et c'est pas pour ça qu'on tombe dans l'idolâtrie. Hein, parce que si on cherche à éclipser ces enseignements, eh bien, on passe à on risque de passer à comment dirais-je, un monothéisme exclusif, et c'est pas non plus la bonne voie, quoi, parce que il peut y avoir après des gens qui deviennent fanatiques de ces choses-là, et on voit aujourd'hui ce que ça donne. Hein. Bon, je veux pas en parler trop, mais bon, je veux pas virer sur la politique, mais bon, on sait ce que ça donne. Bon, donc ça, c'est l'excès. Alors, bien sûr, vous avez cette identification du mort à la fois à Isis et ensuite à Osiris, pardon, à la fois à Osiris et ensuite à Horus, son fils, ce qui est le secret de la fameuse pierre angulaire sur laquelle tout se maintient et les mondes. Et on voit qu'en fait, c'est l'Égyptien qui est sorti de l'hébreu et l'enseignement qui en est sorti qui est sorti de l'hébreu, puisque le mot Av veut dire le père, le mot Ben veut dire le fils, et Even veut dire la pierre, mais la pierre, l'être, pierre-fils. On sait que chacun dans la Torah a sa lettre. Donc le développement de la lettre, c'est le développement du principe père-fils, du principe qui y, dans le livre de Hani, qui a été compilé par Yosef en Égypte, après qu'il ait décrété et développé tous les secrets de la tradition primordiale et qu'il les ait assemblés, eh bien il a pris tout ça, il a fait une seule tradition, et il nous a réuni toutes les bases sur lesquels et pour lesquels le peuple d'Israël était descendu en Égypte, pour la simple et bonne raison qu'il fallait qu'il apprenne certains mystères qui étaient consignés en Égypte et pas ailleurs. Voilà. Alors, et ces mystères-là, ce sont les mystères de sa propre origine, en fait. Parce que la fondation de la civilisation égyptienne, à l'origine, c'est des Hébreux cosmiques qui sont arrivés sur Terre et qui ont fondé la civilisation égyptienne et bien d'autres, d'ailleurs. Alors, parce que les Hébreux cosmiques sont les traverseurs de galaxies, alors aujourd'hui il est temps de dire les choses telles qu'elles sont. Hein, on vit à une époque où, après avoir vécu l'humanité, après avoir vécu le passage disons, la période galiléenne, où il y avait eu toute cette polémique, la Terre est au centre, et si on ne dit pas que la Terre est au centre et que tout tourne autour d'elle, alors l'Église l'avait frappé de Jérém, et lui, Galilée, comme
comment il s'appelle, celui qui est venu après, Kepler. Donc au début, on disait oui, mais ce sont des gens, ce sont des mécréants, alors qu'en fait, ils avaient parfaitement raison. C'est comme ça que ça se passe, simplement, il fallait avoir l'esprit assez ouvert pour comprendre et accueillir le futur. Parce que la dimension divine, progressivement, progresse et fait progresser avec elle l'humanité, et au fur et à mesure, elle nous dévoile petit à petit et progressivement les grands secrets de sa science qui étaient tous consignés à la base dans son grand livre qu'est la Torah. Voilà. Qui existait avant même la création du monde, avant même la création de ce monde et avant même la création des mondes pré-adamiques. Donc, voilà. La recréation de ce monde avec le monde post-adamique et pré-adamique, c'est-à-dire dans les mondes pré-adamiques. Voilà, donc la Torah est éternelle. Voilà. Alors après, il dit donc, au-delà de cette dimension, j'étais aussi le prêtre hein, de Ouab. C'est Thoth qui parle, donc c'est Hanoch Métatron qui parle et qui dit, je suis le prêtre Ouab, c'est-à-dire ce que nous, dans la tradition hébraïque, nous appelons Michael, Cohen, Gadol, les Mahala, Vessar Israël, Apotropos Israël. Où ça veut dire que Michael, le prince, est le tuteur d'Israël en haut, de tous les ceux qui sont d'Israël, c'est-à-dire Yachar Imel, droit avec Dieu, hein. Eh bien, il va les diriger dans la bonne voie et il va permettre que leur tikkun soit réussi puisqu'il est Kohen Gadol en haut dans le ciel. Donc, il est grand prêtre en haut dans le ciel. Donc, ça se passe dans la constellation de l'autel. Hein. C'est la constellation dans laquelle il y a les planètes Ara et le système Ara. Et c'est là-bas que existent nos jumeaux célestes les plus développés. C'est dans une de ces de ce secteur, des planètes de ce secteur-là, éclairées par un soleil qui est 70 000 fois plus puissant que notre soleil physique à nous de notre galaxie, hein, alors donc de notre système solaire. Alors évidemment, on pourrait dire et comprendre que nos jumeaux célestes sont infiniment plus grands et puissants et avancés que nous. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le soi. Les hindous l'ont appelé cela le soi. Le soi, c'est infiniment au-delà de ce qu'est l'homme, même dans ce qu'il a rêvé de plus grand pour lui. Donc voilà, chacun est rattaché à un soi supérieur, et le soi supérieur se trouve là-bas, de chaque être humain sur la terre, et de chacun des enfants d'Israël, qui sont les premiers qui allument le feu, qui permet le rétablissement entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Après, ça continue, et ça s'étend sur l'humanité, et ça s'étend pour toute l'humanité, voilà. Et parce que c'est le but de la Torah, c'est que ça passe à toute l'humanité, parce que s'il n'y a eu qu'un seul homme à l'origine de l'humanité, c'est parce que cet homme-là, c'est tout Israël, et c'est Israël parce que toute l'humanité deviendra Israël, c'est tout. Alors, ensuite, il lui dit donc, je suis celui qui me tient dans la ville de Héracléopolis, hein, et donc c'est ça, et donc, une fois que Thoth a donné ses attributs de protection, hein, n'est-ce pas ? Alors après, il lui dit, il dit comme ça, il est examiné par de nombreux porte-paroles et son âme a été confrontée devant lui, avec lui, pardon, a trouvé que, on a trouvé que sa bouche avait été correcte sur terre, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit trop de lashon hara, qu'il n'a pas trop parlé du mal, vous voyez, en plus des 7 mitzvot béné noir, ça veut dire que déjà, à la base, il y avait déjà la mitzvah de ne pas faire du lashon hara ou de ne pas critiquer et parler les uns des autres, dans ce livre qui est antérieur, si vous voulez, à la religion de ce qu'on appellerait les noachides, hein, parce que il y a dans aucun texte de la Torah, il est marqué en toutes lettres qu'à la fin des temps, il y aura une religion noachide. Il n'y a pas de religion noachide. Il y a des êtres humains, il y a tous les êtres humains de la Terre, tous ceux qui seront prêts à recevoir la Torah, qui est la base du code spirituel de l'individu. À un moment donné, toute l'humanité prendra conscience et viendra à la Torah automatiquement. Il n'y a pas de noachide, puisque les Bnei Israël eux-mêmes étaient des noachides. Donc, faire une distinction comme ça, c'est un petit peu, disons, c'est pas mentionné dans les prophètes d'y arriver de cette manière-là.
Voilà. Alors il est dit comme ça. Donc il a été examiné par de nombreux porte-paroles. Les porte-paroles, ce sont les juges, les 42 juges. Alors c'est bizarre qu'il y en a 42, mais il n'y en a pas 42 pour rien, parce que 42, c'est le secret de ce qu'on appelle le monde du tikkun, hein. On sait qu'il y a 42 lettres à Bereshit, depuis le bête de Bereshit jusqu'au bête de Bohu, et que ça représente le monde du tikkun, le monde de la réparation. Donc on voit qu'ici, ces 42 juges sont liés à l'enseignement de Hanor, qui sait très bien qu'il est dans le monde du tikkun, et qu'il tire ses secrets-là de la Torah en sondant les lettres, en voyant leur prendre plusieurs formes selon leur kinouïm, qu'il va traduire sous forme hiéroglyphique et établir la hiéroglyphique égyptienne, avec 541, on pourrait dire, hiéroglyphes, 71 multiplié par 71, et c'est vrai que quand on prend l'alphabet malais, c'est-à-dire malais égale 71 en valeur numérique, 71 multiplié par 71, malais kafoul malais, et ben c'est égal à 5041. Si on enlève le 0, on a 541 qui est Israël. Voilà, donc... Voilà, alors ça, bon, il faut arrêter de dire n'importe quoi des fois, enfin, parce qu'il y en a qui disent un petit peu n'importe quoi. Alors voici devant toi, maître des dieux avec un petit dé, hein, n'est-ce pas? Donc, on ne parle pas ici du grand dieu éternel, primordial de l'éternel qui a fait le ciel et la terre, hein, et il est parvenu au pays des justes, donc il existe un pays des justes, et donc ce pays des justes se trouve dans Ara'a et la planète de base qui est le centre de la galaxie, en même temps le centre de l'univers quelque part, en haut, puisque la huitième terre est là-bas, hein, et puis on le saura bientôt de manière officielle, bien sûr, de toute façon, pour le moment je vous l'annonce, vous le savez de manière officieuse, mais plus tard et très bientôt, vous allez le savoir d'une manière officielle. Voilà, alors il apparaît glorieusement comme un dieu, avec un petit dé, bien sûr, donc on va pas commencer à dire « attention, c'est du polythéisme et tout ça, hein, d'accord ?» Alors, il brille... Gardez-vous de juger tant que vous n'avez pas la preuve de ce que vous dites, s'il vous plaît. Alors, il brille comme l'Énéade. L'Énéade va symboliser les 9 principes divins, dont 1 est au centre et 8 sont autour. Alors, celui qui est au centre symbolisera donc le Dieu suprême dans ce qui fait qu'il prête ses fonctions. Et les 8 sont les 8 appelés du nom de Yud Kivavke selon la Kabbale. Alors voilà, donc on appelle ça le premier roi, le deuxième roi, le troisième roi, le quatrième roi, le cinquième roi, le sixième roi des Dômes, le septième roi des Dômes, qui est celui qui amène la paix, et en fait, on l'appelle le maître de la paix, et en fait, le huitième roi qui vient, qui est le Messie, en fait, cosmique. Donc, on est dans la même notion de symbolique. Et alors là, on va voir une référence à Kima, qui a été d'ailleurs mentionnée dans le livre de Job, hein, et dit comme ça, dans sa marche dans le ciel, il parle ici du défunt qui va parcourir à la fois l'espace sous une forme de lumière, un petit peu comme le soleil, parcourt l'horizon, hein, et il va passer dans le monde des ténèbres et vaincre tous les ennemis, et pour ça, Thoth va l'assister par les formules, en lui rappelant les formules qui permettent la rédemption. Alors, vous voyez, un petit peu, là, c'est, bon, c'est du breslavisme avant son heure, ou on peut même dire du christianisme avant son heure, et même c'est du messianisme avant son heure, quoi, voilà. Donc ça c'est à la base et à l'origine tel que Hanor l'avait compilé puisqu'il a vu toutes les générations. C'était un ange venu sur terre. Donc, alors il dit, sa marche s'élève vers Ker Haha et il voit le véritable Orion. Alors c'est la planète Orion qui est la planète de la lumière, Orion. Hein, et donc il s'avance dans le Noun sans être repoussé. Donc le Noun c'est les eaux primordiales, même supérieures,
hein, qui mènent dans les mondes supérieurs, sans être repoussés. Il voit les maîtres du douat, c'est-à-dire même les maîtres du tribunal inférieur, des dieux préposés au tribunal inférieur, et il jouit des nourritures de l'Énéade, et il siège avec eux, c'est-à-dire qu'il va directement vers les sept principes, et le huitième principe qui va lui apporter son monde futur, hein, son monde futur, 8, qui est lié au 8, et bien évidemment le 9 qui est au milieu, qui va représenter de rentrer dans le véritable royaume de Dieu, voilà, le monde de Dieu. Alors le prêtre lecteur du coffret place maudit pour lui, et il entend la liturgie des offrandes. C'est en entendant ça qu'on dit, je vous l'avais dit une fois, que comment un parsouf est coté comme parsouf, c'est-à-dire visage divin de tel ou de tel niveau, en fonction du sacrifice accompli. Alors le sacrifice accompli, vous l'avez ici, il entend la liturgie des offrandes, et il monte dans la barque de Sermet, de Német. Donc Német, celle qui va le mener à Émet, au vrai. Hein, derrière le monde des morts, Met, il y a le monde du Emet, de la vérité. Alors il va le monter sur cette barque-là et va l'amener vers la vérité. Sans être repoussé, son âme entend, étant avec son maître. Et le maître ici, bon, ben, c'est à la fois la puissance divine du point central de l'Énéade qui l'assiste perpétuellement et qui va l'assister notamment à travers Thoth qui est délégué. Ou Hanor Metatron, qui est délégué comme celui qui permet le passage sur notre planète, comme sur toutes les planètes où quelque chose vit et où il y a une évolution d'entité, de la catégorie des Ishim, d'anges en formation, aptes ou pas aptes encore à passer dans le royaume de Dieu, eh bien, pour les transitions de ces âmes, une par une, ils vont toujours être assistés par le même principe, où que ce soit dans l'univers, voilà. Pas seulement sur cette terre-là, mais sur toutes les terres habitables, voilà. Alors bien sûr, cette formule-là, c'est la formule 1, hein, parmi les 16 premiers chapitres de base, et ce chapitre-là est lié au nombre 30, vous voyez, dans la symbolique, c'est-à-dire le futur de l'âme de la personne, c'est-à-dire ce qui s'attache, ou qui est le feu qui s'attache, c'est la durée d'une chose à laquelle une chose est liée. Bon, donc il y a une fin et une consommation de l'énergie. Maintenant, il faut passer à d'autres systèmes d'énergie et il va y avoir une transformation parce que l'âme du mort va être dirigée dans sa voie. Mais là-dessus, je vous dis, hein, c'est incroyable, mais je relis tout. La tradition chinoise, la tradition égyptienne, la tradition hébraïque, tout encensé, la tradition primordiale. Voilà. Alors donc, alors en plus, donc existe-t-elle, hein, la consommation d'énergie, alors existe-t-elle, danger d'utopie, c'est-à-dire le mort qui sort au jour peut se faire ravir par des forces intermédiaires qui vont essayer de l'empêcher, notamment en précisant sur ses fautes et ses péchés, en essayant de l'accabler et en essayant de lui montrer ce qu'il a mal fait de façon à se le retenir dans ce monde et à ce façon à ce qu'il ne puisse pas parvenir à se libérer, à monter au monde d'en haut. Donc c'est par l'induction de la culpabilisation que le cerveau est traumatisé et puis il a tendance à agrandir ses fautes. Et à ce moment-là, ça part tout seul, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le mort lui-même qui se punit, qui se juge, et là, c'est l'horreur, voilà. Voilà, c'est l'horreur, c'est le gigoulo obligatoire, et il n'arrive même pas à se donner Rachamanout à lui-même, alors que la bienveillance divine est le sommet de la Rachamanout, et que le Messie cosmique est le sommet de la Rachamanout, Rachamanout qui signifie la miséricorde divine, voilà. Alors donc, alors il dit, bien évidemment, il a besoin d'une alimentation spirituelle qu'il ne va pas trouver s'il n'a pas pris la bonne voie. Et à ce moment-là, il reste coincé dans la prison et il n'arrive pas à monter plus haut. Et le Gilgoul est pratiquement assuré, le Gilgoul, c'est-à-dire l'incarnation, et incarnation où il n'aura pas évolué. Alors que le but, c'est d'arriver à évoluer d'incarnation en incarnation, hein, et de progresser avec une conscience à chaque fois
formée, plus évoluée d'incarnation en incarnation, jusqu'à arriver à l'incarnation finale qui permet le Gemara Tikkun, c'est-à-dire la finalité de la réparation et du Tikkun, et à ce moment-là, la personne morte n'est pas un mort, mais il monte direct vers le Hémet et il bénéficie des secrets de l'éternité. Voilà. Voilà. Alors maintenant, en dehors de tout l'apprentissage dont, dans la suite du livre, on va parler, qui sont les apprentissages de quelquefois, par exemple, certains pouvoirs sont donnés à l'âme, même si elle ne se réincarne pas immédiatement, ou même si elle ne monte pas directement à sa racine, on va voir que certains pouvoirs de transfiguration lui sont donnés pour permettre d'établir des contacts avec des mondes parallèles, ou des fois de revenir dans ce monde, dans le rêve de quelqu'un, ou dans... Enfin, on verra tout ça sous la forme de X ou Y formes. Donc il faut d'abord pour cela qu'elle apprenne les règles des formes, qu'elle va dans la deuxième partie du livre, comme j'avais expliqué hier quand j'ai fait le premier cours là-dessus, ou avant-hier soir, eh bien, tout cela va être raconté du chapitre 17, notamment au chapitre 64. Alors bon, là, on va parler de la sortie et l'acquisition des pouvoirs et du jugement, et après, les modes de transfiguration, tout cela, ça va être dans la troisième partie du livre, c'est-à-dire entre le 65e chapitre et le 128e chapitre. Voilà, bon, ben, je vous laisse réfléchir déjà là-dessus, hein. C'est un point de départ, hein, et c'est vraiment le départ, du reste, hein. Ben voilà, c'est la voie droite. C'est l'axe direct vers Malchut, de Malchut à Yesod, de Yesod à Tiferet et de Tiferet à Keter. Voilà. Donc c'est la voie. Alors, celui qui la rate, il tombe dans le dualisme à ce moment-là et il revient. Voilà. Bon, ben, amitié à tous et puis que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom et au revoir. Voilà. Faites passer, s'il vous plaît. Faites passer. Faites transmettre. Transmettez. Parce que sinon, je vais être obligé d'arrêter. Parce que je dis, ça sert à rien, quoi. C'est pas transmis. Alors, enfin, franchement. Vous voyez bien, plus ça va, plus j'ouvre les cataractes du ciel et les bonnes cataractes du Verseau. Alors, mais transmettez. Si vous ne transmettez pas, il n'y a pas de raison. Hein. Et comme je ne suis pas égoïste, j'aime bien partager. Je partage avec vous et partager aussi en n'étant pas égoïste avec les autres. Voilà. Kol Touf, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Shabbat Shalom.